Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième épisode. On essaye de faire un café rasseur avec une base pas tout à fait café rasseur. Alors en fait, pas du tout un épisode Café Racer, c'est Grosh date de cet été et je vous montre la vidéo maintenant bah, pour proposer du contenu tout simplement. Mais bon, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, comme on peut le voir avec mon comparse Adrien, on a enlevé la ligne et le but ça va être de la peindre. On va essayer de peindre cette ligne avec de la peinture haute température aux bombes. Donc le but là en fait c'est de décaper toute la ligne. Vous voyez, elle est en assez bon état quand même. Là j'ai commencé à la décaper. Pour bah, pouvoir mettre la peinture et que ça soit un truc propre. Pour ça, qu'est-ce qu'on utilise? Et bah des brosses AliExpress. Voilà, ça coûte une vingtaine de dollars sur AliExpress. Des grosses brosses comme ça, ou alors des brosses un peu plus fines, montées dans la super meuleuse Eco Plus. Quand on travaille avec des brosses, il faut toujours se protéger, donc les petites lunettes et les gants, c'est important. C'est quoi déjà la marque de ta chèvre là? C'est Eco Plus, mais elle marche très bien. Ouais, super. Ah putain, ça marche bien. C'est comme un GSE, hein, ça marche bien. Ça, c'est de la brosse AliExpress, tressée comme ça. Et après, le but, ça va être de terminer la petite brosse. La petite, ouais. Ouais, pour fignoler. Bon, mais c'est vrai mais que. Là, ça décape quand même. Là, ça rend pas mal. Après, t'es pas passé là encore là. Non. Ouais. La moto, elle est tombée. Mais non. C'est non, en fait, ça, c'est quand tu penches trop fort dans les virages. Ça, c'est parce que je suis pilote, ça. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est bon, la ligne a été entièrement décapée. Donc avec cette brosse là, c'est pas mal. Petite brosse un peu surface. Et on en profite pour pointer les deux sardines là. Donc décapage du pot, pointage, chauffe au chalumeau. Et le but là, c'est de cabosseler son réservoir. Ah, ça vient. Ça vient un peu là? Ça vient un peu, ouais. Faut faire un petit coup là aussi, je pense. On va pointer ici. Donc on a essayé la technique de l'eau et au congélo, mais bon, ça avait fuité par là en fait, on n'avait pas réussi à bien boucher. Dans notre cas, la technique du congélo n'a pas tout à fait marché, donc on en prend les gros moyens. Je pense que ça ne viendra pas. Hein. Non, ça viendra pas plus. Bon, déjà, il est venu un peu déjà. On coupe celle-là ou on la laisse? On la laisse. Bon, ouais. On fait là alors, un petit coup là. Pour préparer les soudures, merci Parkside. Hop, donc là on a une bonne surface et le but c'est de le pointer ici là. Je suis très à l'aise face caméra. Bon, on a failé, enfin j'ai failé plutôt, en voulant souder cette baguette qui est ici là. Ça fait un trou dans l'échappement, trou qu'on a récupéré avec un petit carré de métal. C'est pas fini encore, c'est pas petit fini. Petit carré de métal. Et là c'est bon, on a réussi à débosser un petit peu, oh, c'est mieux qu'avant quand même. Pour avoir on va peut-être aspect. En remettre un coup là, pour la retirer une fois qu'on aura retiré ces endroits là. Au final, après plusieurs essais, en fait, on a fait deux trous dans l'échappement et on a décidé de plus rien faire et mon copain, lui, par lui-même, a ressoudé une tôle de plaque par-dessus et a repeint la moto et après il a vendu. Évidemment, c'était pas un vis caché, hein, c'était juste pour embellir un peu la moto. En fait, il y avait eu déjà une réparation sur cet échappement et dans notre cas, bah, on n'a pas réussi à... à ravoir le truc. Donc voilà, il y a un des colis là qui a bien été décapé à la brosse métallique tout simplement parce que sinon c'est impossible d'y accéder. Et là, le deuxième, bah, je vais le faire. Voilà, c'est bon, après avoir totalement décapé bah, l'ensemble de la ligne là je vais pouvoir dégraisser et tout peindre. Et avant du coup j'ai peint le haut puisqu'après je vais remonter les petits colliers là et puis les suspendre par les trous des vis pour après peindre l'ensemble de la ligne. On voit ici que c'est pas décapé jusqu'au fond. En fait la meuleuse Eco Plus elle a rendu l'âme. Comme c'est écrit sur la notice, faut laisser sécher une heure à l'air ambiant. Ça a été fait, il y a même une toile d'araignée qui s'est fait plaisir. Hop. Et après, normalement, il faut le sécher, enfin le faire chauffer en fait, mettre l'échappement sur la moto et le faire chauffer pendant une petite demi-heure. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un décapeur thermique, bah, on va chauffer la peinture pour bien qu'elle solidifie. 5-10 minutes, ça devrait le faire normalement. Nous allons utiliser un décapeur thermique de qualité.
En effet, c'est un désherbeur. Alors le net avantage, bah, c'est qu'un bras, du coup on n'a pas besoin de se baisser. Changement de programme, parce que en fait, là je repeignais la ligne pour donner une belle allure à la moto sans forcément changer le silencieux. Mais dans l'idée, moi c'est quand même de changer le silencieux, mais j'ai pas envie de couper ma ligne d'origine. J'ai plutôt envie d'en acheter une d'occasion, la couper et puis après mettre un silencieux AliExpress. Comme ça je pourrais switcher entre les deux si jamais ça me plaît pas, ou si ça fait trop de bruit évidemment. Problème sur le bon coin, ces pièces là, c'est que les casse moto et puis c'est à une cinquantaine d'euros, plus l'envoi en plus après. Et là je me balade sur un groupe Facebook de GSE 500 en France, avec une vingtaine de membres à peu près, pas plus. Et là il y a un mec qui s'inscrit, qui dit, qui répond à mon commentaire, enfin à une publi où je cherchais l'échappement, il me dit « Y a pas de problème, j'en ai ». Je dis « Très bien, t'es où ?» Il me dit « À une heure du Mans, donc parfait pour moi ». Il dit « Alors où est-ce que c'est ?» Il me dit « À Courville-sur-Eure ». Ça tombe bien parce que moi, j'y vais avec cette moto. Donc là, j'essaye de voir comment je pourrais ramener sa ligne d'échappement que le mec me vend. Clairement, je vais lui demander de couper le pot, là. Puis au lieu de lui acheter, pourquoi pas faire un échange. Donc je lui dis « Est-ce que t'as besoin d'un top case ?» Il me dit « Oui, j'ai besoin d'un top case ». Donc là, je vais prendre un petit top case et je vais le remonter sur la moto. Et je lui dis, t'as pas besoin de rétro? Il me dit, bah si, j'ai besoin de rétro. Alors, du coup, tout va bien et on va faire un échange. Enfin voilà quoi, on va faire un petit échange entre passionnés. Ça pourrait être sympa si tu me fais une petite découpe là. Clairement, là, je peux pas la ramener. Hein. Entre passionnés. Donc maintenant, on va juste dégraisser les petits colliers là-bas et toute la ligne. Je vais l'accrocher à la balancelle et on va pouvoir la peindre entièrement. Une bombe, c'est bizarre à appliquer, en fait ça sèche tout de suite et par contre toi tu peux forcer, il n'y a pas de couleur possible quoi, c'est quasiment impossible. Enfin bon, après là en train de sécher, c'est assez propre hein. Donc voilà, là la ligne elle est totalement sèche, on va dire elle a séché une heure, même deux heures. Maintenant le truc pour durcir bien la peinture, c'est en fait d'allumer la moto, et pour ça bah du coup faut la monter sur la moto. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? Puisque évidemment, j'avais pas filmé la fin. La peinture, c'est la peinture Action. C'est la peinture qui coûte pas cher. Ça coûte à peu près 1,20€ la bombe. Ça s'applique vachement bien en fait. Ça sèche quasiment directement. Et il n'y a pas de couleur possible. Et l'aspect est propre. J'ai par vous-même, par la photo. Alors oui, évidemment, j'ai rayé le truc le lendemain en évitant une brique qui était sur la route. Heureusement, je suis encore là. Et voilà, pour donner vie à une moto qui est un peu vieille, où l'échappement était terne, mais qu'il était peint à la base en noir, bah c'est assez simple à faire. Je vous conseille quand même de bien le décaper, de bien dégraisser, et pour cela, bah, c'est quand même mieux de travailler en démontant l'échappement, mais ça reste envisageable en laissant l'échappement tout simplement sur la moto.